Alors, je vous propose de vous retrouver ici sur le déballage donc de notre première commande chez Cocopelli, hein, commande réalisée pour nos premières graines, destinées bien évidemment à rejoindre le potager en devenir. Ouais, voilà, donc c'est du papier bulle, hein, c'est très bien emballé. Alors, on va retrouver ce qui semble être le bon de livraison. Ouais, c'est bien ça. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Alors là, c'est le... Ouais, d'accord, c'est un document donc qui va proposer l'adhésion à l'association Cocopelli. C'est une manière un peu de militer et de promouvoir, disons, l'utilisation de graines reproductibles plutôt que de graines hybrides, hein, type F1, qui ne le sont pas reproductibles. Alors ensuite, on a un petit peu de documentation, donc sur les semences biologiques reproductibles. Oui, d'accord, on présente un peu l'association à travers ça. Documentation publicitaire, j'allais dire classique. On retrouve ensuite les graines, parfaitement bien emballées. C'est une bonne surprise, il n'y a pas à dire. Voilà, on va retrouver des petits sachets individuels. Là, c'est très très bien. Dans ce qui me semble être d'ailleurs du papier recyclé. Alors, carotte violette, ok, on va retrouver en dessous le nom de la variété. Et puis, effectivement, les informations là qui ont été tout à fait décisives pour nous aider à choisir parmi les nombreuses variétés proposées. C'est vraiment très bien. On les retrouve là sur l'enveloppe. C'est vraiment une bonne chose. Et au verso, on va retrouver les informations qui nous permettront à nous de semer dans de bonnes conditions. Hein. N'oubliez pas qu'on découvre complètement la pratique du potager, donc c'est quelque chose d'important quand même. Ces informations, il n'y a aucun doute, vont pouvoir nous aider, en plus des conseils qu'on pourra avoir par ailleurs, à semer dans de bonnes conditions. On va d'ailleurs aussi retrouver dans le bas l'année de récolte, ça c'est vraiment très bien, hein, ça figure dans le bas de l'enveloppe, ainsi que la durée germinative, donc ici 5 ans, alors on parle pas de la faculté germinative, mais je pense qu'on doit être proche à mon avis des 100% là, hein, dans ce cas précis. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Nos tomates, ok, mi-saison. Alors, il y en avait une autre variété hein, qui avait été commandée d'ailleurs. On les retrouvera sans doute un peu après. Toujours aussi bien emballées, hein, sur le même modèle que les carottes qu'on vient de voir. Ensuite, les petits pois, d'accord. Donc, une enveloppe un peu plus importante cette fois. À noter que là, on compte pas les graines, mais c'est en grammes. Hein, voilà, la distribution se fait en grammes. Les haricots, très bien. Qu'est-ce que j'ai après? Les navets, oui, d'accord, des graines assez fines. Hein. Le basilic, ouais, là c'est pareil, on les sent pas sous les doigts les graines. Hein. Les autres tomates, l'autre variété de tomates, très bien. Les choux rouges, ouais, bah, on retrouve tout à fait la commande réalisée, c'est normal, vous allez me dire. Les côtes de bête, ok, très bien. Les épinards, d'accord. Les betteraves rouges, ah, avec des graines un peu plus grosses, j'aurais pas cru, dans le cas des betteraves. Les graines sont assez grosses. Et ensuite, le piment doux, c'est-à-dire le poivron. D'accord. Les aubergines, et pour finir, les courgettes. Bon, c'est très bien, voilà. Tout est parfaitement bien emballé, prêt à patienter jusqu'à la période de semis. Alors, acheter ces graines chez Cocopelli, c'est un acte militant, comme je vous le disais en préambule. Les graines sont peut-être un tout petit peu plus chères que chez un semencier classique. Néanmoins, elles présentent un avantage tout à fait intéressant, c'est le fait d'être reproductible. Hein, vous pouvez récolter les graines de vos cultures et les semer de nouveau sans aucune difficulté. Ça, c'est quand même quelque chose d'essentiel. Hein. Par ailleurs, pour le prix d'une adhésion à l'association Cocopelli, c'est-à-dire à partir de 20 € pour l'année, eh bien, les graines qui sont en vente autour de 3,40 €, si j'ai bonne mémoire, le sachet, eh bien, vous les trouverez avec 50 centimes de réduction. Hein, ça descend donc à 2,90 € le sachet. On se rapproche là clairement du, où on retrouve même peut-être le prix qu'on va avoir chez un semencier classique. Hein.
Voilà, tout est prêt, hein. C'est vrai qu'on est pressé un petit peu de pouvoir les semer, hein, quand je vois voilà, les petits pois, par exemple, dont Séverine raffole. Bon, bah non, il va falloir patienter, il n'est pas encore temps. On va attendre un peu avant de mettre ça en terre. Et puis, je suis certain qu'avec Cocopelli, ça se passera très très bien. Enfin, voilà, pour le moment, on est tout à fait séduit par la manière dont la transaction s'est passée. Ça a été très très vite. Et puis, la qualité aussi de l'emballage, hein, voilà, qui est sûrement un gage de qualité future pour pour les graines elles-mêmes et les variétés donc qu'on nous a proposées. Je vous dis à très bientôt au potager qui dit non.